espérait qu'il s'agissait d'un raccourci pour accéder au château. Elle y trouva un étrange endroit plein de vie, enveloppé d'une éternelle lumière crépusculaire. Il lui était étrangement familier. Hey les loulous, on se retrouve pour la mise à jour Twilight Garden de Moss et on est sur Oculus Quest, histoire de changer un peu. Il faut savoir que pour cette mise à jour, en fait, c'est en plusieurs parties, donc moi je vais tout regrouper, je pense. Hop, et on est parti pour de la plateforme. Dès le réveil pour moi. Accrochez-vous, tout va bien pour le moment. En tout cas, c'est plutôt sympathique. Hein. Déjà, j'aime bien l'ambiance et tout. Ok. Ok. Je vais monter ça au cas où. Voilà, ça c'est fait. On nous envahit. Un grognement s'échappa de la grotte. Et pourquoi est-ce que je ferais ça ? Croassa-t-il bruyamment, visiblement contrarié. Hé, hey, vous là-bas ! Héla Quill. Où sommes-nous ? Je cherche le chemin le plus rapide pour aller au château. Quill reconnut le crapaud qui servait de monture à Vada dans le marais. Il ignora Quill et continua à maugréer. D'accord. Je vais ouvrir la racine. Fais-leur passer ta petite épreuve. Mais sache que la prophétesse Vada ne te le pardonnera jamais. Ah, merci. Bon, et ben allons-y, puisque la base s'est fermée, je pense que c'est pour plus tard, on verra en tout cas. Si Vada apprenait que je vous ai amené ici, elle réduirait mes racines en cendres. Une voix s'éleva du sol et fit doucement trembler les feuillages. Mais je dois m'assurer que vous êtes capable de faire face aux dangers qui vous attendent au château. Très bien. Alors, une série d'épreuves, a priori. Ça, je peux péter et tout. Alors, est-ce qu'il faut frapper là-dedans ? Ah oui, d'accord. Je pense que oui, en fait. Très bien. Let's go. On va attendre que ça monte bien plus haut. Quoi qu'il y a peut-être un truc caché là-bas. Ah ouais, il y a ça. Attendez. Bon, on va passer en dessous et après on passera au-dessus. J'avais pas vu qu'il y avait un autre interrupteur. Du coup, go. Pas tombé, non. Je me connais tellement. Alors là, t'as l'impression que tu peux passer ici, mais c'est sûr que non. Ah merde, j'ai pas pu te la toper. Merde. Fais chier. Ah mais il y avait un rocher entre nous. Voilà, je peux pas. C'est triste, mais c'est comme ça, quoi. Oh là là. Oh là là, ce truc de fou. Bim. Alors, bien sûr, je remercie les développeurs pour cette version, puisque j'avais déjà eu de leur part une version PSVR, et là, j'ai eu une version Oculus Quest. Alors, putain, ça sent l'énigme de fou là-dedans. Je sais pas si ça c'est...
Vas-y, monte. Qu'est-ce que... Bon, ouais, je suis comme ça. Ah. Ok. Alors, je pense que le but, ça va être essayer d'atteindre ça. Et ça, peut-être. Donc, on verra bien. Explorons. Ah, tout là-bas, par contre. Je me demandais s'il n'y avait pas des parchemins cachés, mais ça n'a pas l'air, en tout cas. Ah! Ok. Promenons-nous. Vas-y, monte. La dextérité, quoi. Hop! Oh là là. Ah, magnifique! Cette mise en scène! Hop! Ah, génial! Allez, on y va! Ouvre-moi ce coffre! Ah, nickel, je sais pas ce que c'est, mais. Ça doit être. Pour ses bras, peut-être. Aucun animal ne s'est jamais aventuré dans l'arbre sacré d'un lutin. Ces mots émergeaient des feuilles. Tu dois prouver que je ne me suis pas trompé en te confiant la relique de verre. A priori, grosse nouveauté de gameplay. Grâce à ça, on peut voir des trucs invisibles. Enfin, des plateformes invisibles. On va sûrement pouvoir aller de l'autre côté. Ah là là. Ah là là. Ah, j'ai peur. Ah, vous me connaissez, hein, moi et la plateforme. Surtout 3D. Ok, donc on a sorti une statuette. Enfin, une statue en tout cas. Et a priori, il faut aller de l'autre côté. Comment, on sait pas trop, donc... Oh merde. Pas comme ça, en tout cas. Ah, mais j'étais en mode, je vais faire le coup vers le haut. Ah bah non. Ah, ok. Donc là, t'as moyen de faire bouger ça. Écoutez, tant que je suis là, hein, pourquoi pas. Voilà, toi tu viens là. Hop. Mais après je peux plus remonter, faut pas trop que je fasse le con. Bon voilà, je dirais c'est comme ça, ça doit être le but. Tac. Ok. Ah, vraiment? Putain, c'est là. Ah, peut-être pas alors. Ah, comment on va là-bas? Ah bah voilà, là-bas. C'est ça. C'est parti. J'y crois mort. Diable. Ok. Tiens. Hop. Nickel. Bon. Je peux faire ça.
coup, j'ai failli... Genre, on va faire ça, du coup. Ça fera plus de place. Toujours plus de place à la base. C'est un bon début. Mais il faudra continuer de t'entraîner si tu veux que Vada t'accepte comme championne. Je reviendrai quand tu seras prête. Ok. Eh bah, allons voir en face. Quill et le lecteur étaient de nouveau en présence du crapaud grincheux. Une épreuve. Ça ne prouve absolument rien. Je parie qu'ils n'arriveront même pas à trouver le deuxième portail. Ok, donc a priori il faut trouver le deuxième portail avant de pouvoir avancer. Alors je vais ressortir comme ça, je vous montre exactement où il est le premier portail. Parce que vu que j'ai commencé à l'intérieur... Hop. Voilà, alors le premier portail est ici. Vous allez dans le coin là, et ça le fait pop. On se retrouve pour le deuxième endroit. Donc quand vous arrivez dans le truc désertique, la contrée désertique, vous avancez un peu et ici vous voyez que il y a de la lumière et la lumière fuit. Ok, c'est parti. Hop. On va revoir Poteau Grenouille. À leur retour. Il était évident que le crapaud ne les voyait toujours pas d'un bon œil. Tout ça va mal se finir. Quand ils auront échoué à la deuxième épreuve, la petite sera pour moi. Ça me fera un bon dîner. Marmonna-t-il sans s'adresser à personne en particulier. Ok, bah c'est parti. Hop. J'ai entendu dire que vous aviez fait de gros progrès pendant votre périple. La voix résonnait dans les bois. Cependant, vous devez parfaitement maîtriser ce lien entre vous. Ah! Ok, pourquoi pas? Ok. On a de la plateforme, bien sûr. Oula! Oula! Je me suis fait tellement peur! Si vous saviez. Ok. Je pense qu'il faut ramener ça de l'autre côté. Et là il doit y avoir des fosses, ouais. C'était sûr. Ah, on pouvait aller là-bas. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'aller tout de suite là? Je ne sais pas. Savez-nous ça? C'est un coup d'enfoiré ou pas? Ah oui. Ah ouais. Ouais, c'est un coup d'enfoiré.
on va laisser vivre cette pauvre petite bête. Et on va passer par là. Donc ça, c'est la suite. On aurait pu passer par là, vous voyez, je pense. Après, je sais pas trop, mais... Allez, on y va. Bon bah putain. Alors trois trucs là, ok. Et ça on sait pas c'est quoi. Très bien. Bah soyons fous hein. Tac. Ah, je peux rien faire, vraiment. Alors là, on a un... Ouais. Si je vais là-bas. Ah. Parfait. Ok. Jusque-là, tout va bien. On peut aller là, soi-disant, mais je sais pas trop comment pour le moment. On verra après. Un autre coffre. Très bien. Gagné. Nippy! Nice! Ce lien énerve beaucoup les Arcans. Plus ils se renforcent, plus il leur sera difficile de vous vaincre. Lecteur, cette épée permet à Quill d'utiliser ta puissance. Très bien. Donc comme ça, quoi. Waouh, vraiment? Ah ouais, d'accord. Ah, ça rigole pas. Hein. Ah, attendez. Tac. Et après, t'as intérêt à bien viser. Ok. Ce truc de taré. Mais c'est cool, franchement. Pas l'épée, hein, franchement. Oh non! Ah, y en a qu'un pour faire ça, putain de merde. Je suis un mousquetaire. Bien tenté. Ok. Classe parfaite. Et on va pouvoir en grimper. Tatin. En grimper. Grimper, oui, mais... C'est beau de grimper, mais on grimpe par où d'abord? Je dirais par là. Mais bah, je peux pas faire un top là. Qu'est-ce que tu fais? Arrête les conneries! Hop!
Ah, de là. Ah mais oui, de là. Mais bien sûr, Emblem, de là. Pas du tout dans l'ex. Pourquoi pas. Après tout, ça peut être dans l'ex tout le temps. Non, non, te retourne pas. Non mais on s'en fout. Ah, arrête. Arrête tout de suite. Putain. On a loupé le truc là. Un part à foutre là. Bravo. Ça fait le pitre devant la caméra, mais hein. Voilà. Pas mal. Vraiment le stuff là, c'est plutôt cool. Bon, est-ce qu'on va être bien? On va dire que oui. Hein. Après... Et ben après on est plutôt bien. Ok. Et ben rentrons à la maison. Tac. Est-ce que je peux aller là-bas sans problème? Oui. C'est parti. Je pense que j'ai compris. Tac. Voilà. On passe là. Il va falloir tuer cette bête pour la faire respawn. J'espère que je me vante. Ah non! Ah, ça a pas suffi. Ah non? On repasse de l'autre côté, tac tac tac. Et ça, on va pouvoir passer là, du coup. Eh ouais. Magie, magie. Et vos idées ont du génie. Hop hop hop. Nickel. Ah, du coup. Allez, vas-y. Fais bien attention à elle, conseilla la voix. Les obstacles seront nombreux, mais notre héroïne a besoin de toi. Très bien. Hop. Eh ouais. Ah, le double. À ce point-là. Oh là là. Bon, je suis gâté. Quill se sentait rassurée. Elle était mieux préparée à affronter les dangers du château. Le crapaud, cependant, était loin d'être impressionné. Ce n'est toujours qu'un rongeur, habillé comme un champion. Ils ne trouveront jamais le dernier portail. Ok, donc il est temps d'aller chercher le dernier portail. Donc les loulous, voici le troisième portail. Il est ici si vous vous demandez. Alors, pourquoi il est déjà pop? C'est parce qu'en fait, je me suis fait avoir, je jouais sans secteur en fait au niveau du casque et ça a coupé. Alors du coup, quand ça coupe, sachez que la vidéo n'a pas le temps de se finir et donc du coup elle est illisible. Allez ma petite, on y va, on y croit. On n'a pas de dialogue.
Donc en gros, il y a eu un blabla et le crapaud nous a ouvert cette porte là-bas. Bon. Maintenant, à voir si je dois refaire les niveaux ou pas. Vada ne m'adressera plus jamais la parole si elle l'apprend. La voix semblait triste. Mais si vous réussissez, elle devra alors accepter certaines vérités sur la relique qu'elle a longtemps préféré rejeter. Très bien. Ah, c'est parfait. Alors là, on a une super énigme. Donc, moi, je vais foncer tout droit. Tac, tac, tac. Et on va aller par là. Alors, j'essaye de me rappeler. Hein, parce que vu que je l'ai fait il y a quelques heures. Alors c'est assez marrant parce que vous avez plein de trucs là et si vous les pétez, bah, au final, bah ça sert à rien. Donc, donc c'est un peu con. Ok. Ça, on n'y touche pas. Très bien. On va aller là-bas. Voilà. On désactive ça. Ok, très bien. Bon, maintenant, que faire? Quoi faire? Aller par là. Tac. Et on va remonter tout simplement. Hop. Et si tu peux. Voilà. Pas dire non comme ça. On dit jamais non à moi. Alors ça c'est bon. Du coup le numéro complémentaire. Hop hop hop. Tac. C'est magnifique. Ah, évidemment on peut plus passer ici. Donc il faut passer là. Dites-vous que ça, j'ai mis assez longtemps pour comprendre parce que, en fait, t'as un certain ordre et si tu fais pas dans l'ordre, bah t'es niqué en fait. Tu peux pas tout t'allumer et passer. Voilà. Tac. 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 Ah oui, là. Alors, je viens de voir qu'il y a un truc que j'ai pas désactivé. Donc, je vais le faire tout de suite. Mais voilà. Donc, on est reparti. Excusez-moi. Sans déconner. Va péter là-bas toi.
Ok, c'est bon, on peut passer. Je sais pas pourquoi je le fais, c'est un réflexe. À chaque fois. Ouh là là, voilà, c'était chaud là. Allez, remonte. C'est vraiment sympa hein, ici, franchement. Il y a de ces détails, c'est joli, franchement. Ce qui vous attend pourrait vous transformer à jamais. Mais ces rituels sont la seule façon de gagner la confiance des lutins et de prouver que la relique est en sûreté avec vous. Ah non, on peut pas faire ça. Ah oui, de là on peut pas. J'adore. Allez, vous voir. Okay.
Oh, t'es sérieux? Je pensais pas qu'il m'aurait touché. Bam! Alors, fais-moi le malin là. Oh là là, c'est parti à côté malheureusement. Oh là là, oh, c'est chaud. C'est bon, on l'a eu. Yeah. Tiens. Tiens. Yeah. Quill, c'était un immense honneur de combattre aux côtés de ton oncle. Et c'est un honneur encore plus grand de t'avoir comme successeur. Vous connaissez mon oncle ? Vous... vous êtes ? Quill croyait rêver. Elle était en présence du champion des lutins. Son oncle lui avait conté son histoire de nombreuses fois. Attendez, ne partez pas! Cria Quill dans le vide. C'est à ton tour de nous guider maintenant. La voix s'enfonçait dans les feuillages. Il faut te dépêcher. Argus a besoin de toi. Et il disparut. Quill était honorée. Elle avait obtenu la bénédiction de son héros. Et peut-être même le respect du crapaud.
Je... Désolée d'avoir voulu te manger, petite. Déclara-t-il. Tu devrais te mettre en route. Tout cela ne va pas plaire à Vada. Eh ben... Bah alors. Ah ouais. Ah sérieux, on peut faire ça? Ah trop bon. Bon bah voilà les loups. Franchement c'est pas mal pour une mise à jour. C'est vraiment dans l'aventure, hein. Ça, faut pas chercher, c'est pas une suite malheureusement. Sinon du côté de la version quest, franchement bah y a rien à redire, hein. C'est joli. Bon il y a un peu d'effet, il y a des effets au moins que vous avez pas par rapport à la version PSVR. Il suffit de comparer les vidéos et vous verrez de toute façon. Mais il s'en sort très bien sur Quest. Ça reste admirable côté technique. Et, Will se demandait ce qu'il se passerait si elle tombait sur Vada. Et si elle reverrait le champion des lutins un jour. Et je trouve que c'est mieux avec les touches. Bon après c'est mon avis, mais je trouve ça plus pratique qu'avec la manette en tout cas dans ce jeu. Donc évidemment pas de note puisqu'il s'agit d'une mise à jour. Donc pour la note du jeu, référez-vous à la note PSVR. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour un autre let's play. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.